considérer selon ses propres termes le spectacle et l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible.